Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les amis, bonjour. Encore pour le Togo, bonjour. Les amis, je suis bien obligé de vous raconter ce que j'ai vécu hier dans la journée du 29-12-2021. Vous vous souvenez qu'hier j'avais fait une sortie où je parlais de l'ANC et de son patron. Plus loin, j'avais dit que des pontes de l'ANC me faisaient cet honneur de m'appeler et de discuter politique avec moi. Pour être franc, j'ai les yeux rouges actuellement. Je n'ai pas eu de sommeil. L'ANC a lâché tout ce qu'elle pouvait lâcher en termes de brutalité inouïe sur ma personne. Mon édicée commence hier autour de 19h30. En effet, j'avais appelé le docteur Agba pour une discussion privée, familiale. La discussion s'est terminée après une vingtaine de minutes parce que ce dernier devrait passer chercher un de ses parents à l'aéroport. Après que je m'étais séparé du docteur, j'ai pu remarquer sur mon téléphone qu'il y avait plusieurs messages. Et tous les messages n'avaient pas de profil. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune photo sur le profil. D'autres commençaient par « Salut, comment vous allez ?» Et quand j'ouvrais l'élément audio, ça commençait toujours par des injures, des menaces. Il y a un qui disait « je veux les noms des traîtres. » J'ai dit « Quoi faire avec les noms ? Nous allons les égorger. » Vous voyez à quel point le parti-là peut aller et peut être. Nous voulons les noms des traîtres. Un homme de l'ANC ne doit pas t'appeler. S'il est vraiment ANC, crois. L'ANC m'a fait la fête hier. Et propre. Ils m'ont fait ça et bien. La simple chose que je pouvais faire, c'était de les effacer. Chose que j'ai fait. Tard dans la nuit, c'est là l'ANC va me montrer à quel point le parti avait non seulement des gros bras, mais aussi des gens qui croyaient aux forces paranormales. Ce que j'ai toujours inventé avec mon nom fétiche, les Garatuta. L'ANC, à partir de 23 heures, a lâché des gens qui me menaçaient de me tuer par les Djapata, par les, je ne sais quoi, les Tchakatou, par les serpents qui viendront m'avaler et qui traverseront les rivières, les mers. Bref, la menace a été au paroxysme. D'abord, j'avais voulu commencer par une pédagogie. Les 10 premiers, je n'ai pas pu les convaincre. Que je n'étais pas un homme politique, que je ne connaissais pas Jean-Pierre Fabre, que je ne connaissais pas Isabelle Amiganvi, que je ne connaissais pas tout le staff du parti et que je faisais ce que je pensais être bien. À eux de choisir ce qui pouvait les plaire et jeter ce qui les désintéressait. Je n'ai pas pu convaincre les 10 premières personnes. Autour de minuit, 1h du matin,
Il y a un monsieur qui finira par débuter bien. Je pensais avoir quelqu'un de fiable. Il va terminer sa course en me disant qu'il avait la possibilité de prononcer quelques mots. Et moi, je devrais être désormais sous terre. À la question de savoir s'il avait cette puissance de pu, il me fit entendre que c'est un héritage familial et qu'il était là pour protéger l'ANC, le parti, ses patrons, tout. Je lui posais la question de savoir s'il savait combien de Togolais sont morts au Togo. Il me fit comprendre que ce n'est pas son problème. Son problème, c'est Ali Camus qui s'acharne sur ses patrons. Je lui prie de bien vouloir m'écouter attentivement. Je commençais mon déroulé pensant être avec une personne normale. À la fin, il me fit entendre qu'à Togoville, d'où il vient, les miracles peuvent prospérer partout. Et que si, dans les 24 heures, je ne demandais pas excuse publique, les effets vont commencer et dans les 24 heures qui vont suivre, c'est l'alali de la fin de Camus Ali. Je lui fis comprendre que je ne croyais pas tellement à ces conneries et que l'Afrique avait besoin de toutes ses forces pour sortir de la misère, de la dictature et de tout le corollaire. À 2h, 3h du matin, c'était toujours l'ANC et l'ANC. Si vous remarquerez, bien sûr vous remarquez, à 3h, j'étais sur un cœur pour le Togo, branché. Le professeur Goguet était aussi branché. Il y a un certain Pat, un certain Vincent qui était aussi branché. Nous échangeâmes jusqu'à 4 heures quand je vis le directeur de la plateforme Un cœur pour le Togo lancer un petit élément vidéo. J'appelais instantanément Syriac pour voir que ce dernier allait décrocher. Je remarquais que Syriac n'en avait plus de tout ce que je subissais. Des cadeaux, des brutaux de l'ANC. Il se recroquevilla derrière sa femme et mit sa couette là où il fallait mettre pour mieux dormir. Je voulais appeler celui que je peux appeler le cousin, c'est-à-dire le professeur Goguet. Parce que entre Mouba et Bassar, il y a bien cette familiarité qui nous lie. Pour être franc, je n'ai pas pu. De peur qu'ils disent le lendemain que je l'avais appelé à la rescousse et que ce que je devrais discuter avec lui ne soit pas retransmis tel que je voulais. J'ai dû prendre mon mal en patience et regarder. À 5 heures du matin, je fis mon café et à 6 heures, je pris la route pour mon boulot. Somme toute, j'ai voulu vous dire
qu'il y a encore des partis qui éduquent leurs militants à la brutalité. Il faut faire taire des gens, des journalistes. J'invite l'ANC à comprendre que je ne suis pas dans un parti politique au Togo. Je ne roule pas pour un parti politique. Je roule pour le Togo. Et jamais je n'abandonnerai. Aux turiféraires de l'ANC qui croient encore à la magie, à la force des choses, Faure Gnassingbé est là-bas. Si ça fonctionnait, c'est lui qui devrait être le premier à être pris. Si ces magiciens n'arrivent pas toujours à le faire à Faure Gnassingbé, cela veut bien dire que l'ANC et ces magiciens-là travaillent avec le pouvoir en place. Sinon, ce n'est pas Camus Ali, l'ennemi à combattre. L'ennemi, il est bien là et sous nos yeux. D'autres me poseront la question, pourquoi je n'ai pas coupé mon téléphone? Je ne l'ai pas éteint. Je ne vais pas éteindre mon téléphone parce qu'on me menace. La lâcheté n'est pas bassard. J'ai voulu dire à tous ceux-là qui veulent faire comme moi un jour, de s'armer de courage, de volonté et surtout d'abnégation. L'UFC n'a pas pu me faire plier. L'ANC ne me fera pas plier et aucun parti au Togo ne pourra me montrer ses lances, ses fusils pour que je cesse de faire ce que j'ai toujours fait. Écrire et parler, c'est mon arme. Bonne journée à vous tous et que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.